Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui on se retrouve sur, vous le savez déjà parce qu'en fait c'est marqué dans le titre, bon, les forêts. Voilà, je viens de construire le petit shelter qui nous permet de sauvegarder, voilà, et même sans faire exprès. Oh putain, du coup il fait nuit. Et il y a le petit feu juste là qui va nous permettre de nous nourrir, par exemple de ce lapin, voilà, qui regardait ça attentivement. Viens là, il y a pas mal de nouveautés dans cette mise à jour pour notre plus grand plaisir déjà. Oh, ça c'est nouveau, un gazebo. Bah écoutez, on va faire ça tout de suite. Wow, ça a de la gueule, on va mettre ça là, attendez. Hop, nickel, il faut 21 bois et 60 brindilles. Bon, ça va, c'est surtout des brindilles en fait. Mais regardez le truc, quoi, je suis carrément pas protégé, c'est les petites brindilles qui me protègent. Alors là je suis en train de couper un arbre qui est en train de copuler avec une pierre. Donc j'ai aucune idée de si cet arbre va quand même tomber. Au plus grand désespoir de cette pierre. Oh oui, oh je suis désolé Pierre. Oui, j'ai volé ton homme. Je sens qu'on va mettre une plombe à construire ce truc. Oh, d'accord, ça va m'attaquer. Voilà, j'ai juste mangé un petit coup. Oh, pas pendant que je mange, jeune femme. Oh, téton qui pointe. Allez. Et de une. Bah ça tombe bien parce que je vais vous montrer autre chose en rapport avec eux. Justement j'avais besoin de corps. Ah, il m'a mis en feu. Il m'a mis en feu le con avec. Mais non. Mais non! Mais on était là en train de construire notre cabane. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé une agression comme ça dès le début. Oh là là, regardez à côté de quoi on apparaît, quoi. Oh la quétale! Oh! Non! Je voulais copuler avec toi! Je voulais faire comme le caillou avec son homme arbre. Alors, c'est reparti. On va se mettre. Oh! Un nouvel animal! Regardez! C'est génial, ils ont rajouté ça, regardez! Bambi! Mon ami qui me fuit. Pas tant mon ami que ça finalement. Trêve de plaisanterie, il est temps de passer à la construction. Déjà, on va faire un feu. Voilà, parce que moi je veux qu'on reste en vie. Hop, ça c'est fait. On l'allume et on en fait rien parce qu'on a pas de bouffe sur nous. Y'a un piège à lapin. Mais on va se faire un putain de camp, mon gars. Hop là, je suis sûr qu'il y en a un qui tombera dedans. Il est l'heure de construire le gazebo. Oh, attention. Non. Mais non, mais je coupe des brindilles et tu t'es mis là en travers. Et je peux même pas te cuire. On va cacher l'épreuve. Bien. Hop, voilà. Cette plante a poussé dans le ventre de cet animal mort. Je vous le promets, ça commence à ressembler à quelque chose. En fait, on dirait une petite terrasse, voilà. Après, il est vrai qu'en cas de bataille contre les indigènes, il enjambe ça et hop, c'est terminé. Mais bon, chut. Oh, c'est ça, c'est comme. Regardez comme c'est beau avec le petit soleil au-dessus. Là, là. On dirait la petite cabane sans mur dans la prairie. Wouhou. Oh, bah oui, mais ça, c'est des accidents qui arrivent tout le temps sur cette île. Hein. Et le piège à lapin est fonctionnel. On peut faire une table. On s'en bat les steaks. La nuit tombe, messieurs, dames. Regardez ce beau coucher de soleil et ces éclats de bois qui me font plein de cicatrices sur le visage. Déjà, je suis scandalisé devant mon piège à lapin qui n'a. Oh, oh. Mais que dis-je? Mais vivant? Mais que dis-je? Que nenni? Un lapin vivant? Oh oui, je peux le réactiver. Oh, c'est fantastique. C'est fantastique. Par contre, tu t'es échappé. Non, non. Pas jusqu'au bout. Tu ne peux pas m'échapper. Tu ne pourras pas. Viens là. Non. Oh, il a fait la technique de. Oh, je t'ai retrouvé. Viens là. Avoue-toi vaincu. Us. Non! Mais que vois-je? Un lapin qui s'est fait attraper! Et hop, je mets là-dedans. Voilà! Le piège est là. On ne sait jamais. Mais que vois-je? Un lapin qui s'est fait prendre! Mais viens là! Ce lapin bloque la cage! Attendez, parce que. Mais tu fais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font tous ces animaux à m'envahir? J'en peux plus! J'ai faim, faut que je trouve à manger! Laissez-vous faire pour une fois dans votre vie! Non! Hop, je l'assomme avec un arbre! Ça a pas marché! C'est l'heure du combat. Vas-y, viens! Viens là, viens là-dedans! Viens, y'a rien qui t'en empêche! Ah bah. Bah regardez! Ils se fightent entre eux! Ah! 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 2v1, c'est injuste! Oh oui! Tiens! Je t'avais dit que c'était injuste! C'est bien fait pour ta gueule! Enfoiré! Et toi, je t'ai tué à la main! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, cousi, cousi! Oh, bah t'es pas bien! Oh, that ass, man! Il a tenté de le cacher, il savait qu'il allait être pendu comme ça et qu'on allait pouvoir voir ses fesses sans que personne ne nous en empêche! Je suis psychopathe! Oh, regardez! Il aide son prochain! Mais c'est extrêmement mignon, mais ça va pas se passer comme ça! Vous avez voulu m'attaquer? Vous assumez! Non! Il y a un mec en position fœtale juste devant nous, quoi. Il me fait peur, lui. C'est un bug, je pense, ça, hein. Oui, dites-moi que c'est un bug. Oh non, oh non. Oh non, 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 non! Mais arrêtez, méchant, déjà d'un combat! Vous allez pas tous vouloir me combattre en 2 contre 1 en plus de ça! Ah! 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 Putain, on s'est fait chier 2 fois à construire des tas de trucs pour mourir. Là, je construis plus rien, à part des pièges et des trucs qui vous tueront tous. Bon, on a notre feu. Piège à lapin! Oh, bitches! Ça cuit. On va se faire une petite cabine. Voilà, DVC, si jamais, c'est toujours très utile. Pourquoi y a toujours aucun lapin là-dedans? T'as vu ça continue, je vais m'y mettre moi-même. Oh, regardez, on a capturé un gros lapin. Boum! Ok, on a une petite cabane. Voilà, elle est belle, elle est mignonne. Voilà, elle est petite, mais bon, on s'en fout. Nous, on vit bien là-dedans, ok? Nous, il nous faut pas grand-chose. Il y a même une petite fenêtre et tout, alors personne se moque. Maintenant que ça c'est fait, est-ce que j'ai capturé un lapin? Toujours pas, mais putain. Ah mais vous pensez qu'on allait s'arrêter là? Mais non. On va faire 3 pièges à l'assaut. Boum. Et de 1. Boum. Et de 2 pièges. Il y en a un de chaque côté. On va faire un pile en face. Et boum mon gars. On a plein de pièges. Est-ce qu'on a capturé un lapin en prime? Bien sûr que non, ça marche jamais ça. Il est l'heure de se coucher et de faire un massacre au réveil. Alors ils sont où? Et regardez maintenant avec des morceaux de vêtements, on peut améliorer nos armes. Et ben on attend sagement.
Aline. Oh, oh. Plus jamais ça. Ah, là-bas. Ah, ah, ah. Je veux assister au massacre. Youhou, dila, dila, doum. Venez-moi. Venez, enfin, venez avec moi. Venez-moi, ça se dit pas. Allez, venez. Excusez-moi, je vais au show pendant que je vous vois tous mourir. Y'a aucun problème. Y'a aucun. Surtout, ne pas paniquer. Qui ouvre le bal? Abat-toi. Oh, c'est ballot. Regardez-le là-haut qui monte aux arbres. J'ai capturé un lapin, putain. Enfin. C'est pas si c'était le moment, mais je l'ai capturé. Ça va pas, toi, apparemment, hein. Oh, je t'ai entendu, mon gars. Eh oui, toi, t'es pas un ninja. Il est mort. Suivant. Allez, il y a deux pièges. Allez, allez, allez. Oh. Putain, mais maintenant, c'est le piège à lapin qui marche le mieux, quoi. Le lapin, il attend qu'il y ait un max d'ennemis avant de dire, oh, c'est le moment de se faire capturer. Mais il tue son pote. Ah non, il essaie de couper la corde. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends rien. Eh. Non, mais attends, 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 attends. Ça va pas se passer comme ça, déjà. Mais tout le monde se met sur la gueule. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez, il me défend. Je t'aime. Je te donnerai du lapin, mon grand. Mais ah non, mais il est cannibale en fait. Faut pas le déranger. Oh, that hat man. Oh, oh, oh. C'est ça. Va-t'en, laisse-le manger, biatch. Regardez-le. Regardez cet homme tranquillement. Bon, cette bataille part légèrement en steak, hein. Je tiens à le dire. Le mec qui est pendu n'est plus pendu. Il se balade. Bah, c'est des troncs d'arbres maintenant. Pff, ah, il m'énervait. Voilà. Je veux la tête. La tête qui. Oh putain, la tête qui vient rebondir contre ma propre tête. Non mais, enfin, il faut juste faire un mètre sur ta gauche ou sur ta droite pour pouvoir... Mais qu'est-ce que tu fais avec cette corde? Non mais c'est... Ils ont saccagé mon campement, putain! Mais bordel de merde! Regardez-moi ça! La porte est fermée, c'est comme quand tu vas aux toilettes. S'il y a quelqu'un, la porte est fermée. Et ben là, c'est pas ton chez toi, c'est le mien, donc la porte est fermée. Oui. Oh! Ah ouais, l'efficacité de ce piège est vraiment incroyable. C'est aussi efficace que moi qui chante pour séduire une fille. Cette tête que j'ai ramassée, je peux la faire cuire. Voilà une nouveauté que j'essaie de vous montrer depuis une heure et demie. Et si j'avais pu trouver des pièces sur la plage et que j'avais fait une bombe, j'aurais pu faire un crâne bombe. Et c'est pas une blague. Malheureusement, c'est... Putain, voilà, barre-toi. La queue entre les jambes. Vous avez saccagé mon campement que j'ai mis au moins 30 minutes à faire. Alors du coup, sur le feu, logiquement, il y a un crâne. Et si je combine un crâne avec un stick, ça donne... un stick crâne. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'ai une massue crâne, mon gars. Pousse! Pousse! Oh, ça a l'air balèze. Ça fait mal, hein. Hein? C'est avec le crâne de ton frère, mon gars. Tiens. Hop là, je te pique. Je te pique. Il y a l'option picouner. C'est enfin fini, putain. On mange des baies pour fêter ça. Voilà. Ah, putain, j'étais empoisonné. Oh, bah, que vois-je? Un homme qui flotte en l'air. Il devrait rentrer chez lui, mais c'est ce qu'il a fait avant que je termine ma phrase. On a repoussé l'offensive des indigènes. Et le soleil se lève sur le campement. La nuit a été un peu mouvementée. Tout le monde est décédé, y compris cette femme que je teabague sans le moindre scrupule. Et tu piques cette paire de fesses qui te déplaît. Ça fait du bien. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur The Forest. Putain, on s'est jamais autant battu contre des indigènes dans une vidéo. C'était la nuit la plus mouvementée de toute notre vie. Mais on l'a remporté haut la main, hein. Et bas les fesses. Attendez, attendez, attendez. Non mais les délires sexuels un peu chelous, c'est faut arrêter tout de suite, quoi. Non mais je veux pas prendre part à ça, ok. Laissez-moi finir mon outro tranquillement. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit The Forest, mais putain, qu'est-ce que c'était bon. Et cette nuit-là restera gravée dans nos mémoires, jamais. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Et si c'est le cas, vous savez quoi faire. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.